Depuis la reprise, l'ambiance a changé. Serge est agent de maîtrise. Il gère les trois quarts de la fabrication et 25 opérateurs. Là, par rapport à la dernière fois, les 348, vous avez vu des durions ou pas ce coup-ci ? Des durions, vous en avez vu ce coup-ci ou pas ? Non ? Yves, non plus. Il n'y a plus de directeur de production. Chacun est plus autonome, plus responsable. Bref, à l'usine, ça turbine. On n'a plus une quantité de gens autour de nous qui nous disent « Attends, c'est peut-être pas ça, c'est comme ça ». On a fait ce que nous, il nous semblait bon. Et bien, le résultat, il est là. On a 15% de revue. Dans la porcelaine, c'est pas exagéré, 15%. On était à 30. Je veux dire, quelque part, ça a porté ses fruits, qu'on le veuille ou non. Avant, on était un petit peu, pour schématiser, on était des presse-boutons. On nous disait, voilà, cherche pas à comprendre, c'est pas ton job. C'est bon, je vais mettre en route, moi. La productivité a fait un bond de 30%. De quoi faire saliver plus d'un fonds de pension. Et pourtant, l'entreprise est toujours aux 35 heures. On ne travaille pas forcément plus, on travaille mieux. Les gars, ils comptent plus comme avant. Avant, on travaillait avec des temps standards, des choses. Le gars, c'est humain. Le gars, quand il avait fait sa journée, dans sa tête, ça y est, c'est bon, j'ai fait mon taf, il n'y a pas de raison que j'en fasse plus. Maintenant, s'il en fait plus, il sait que de toute façon, quelque part, c'est pour lui. Les ouvriers eux-mêmes le disent, être actionnaire de l'usine, ça vous motive un homme pour aller bosser.